Bonjour, on se retrouve pour un petit peu de Mountain Blade. Alors, on était tout seul dans notre ville de Réville. L'Empire était en guerre contre nos amis sturgiens. Ce qui m'intéressait moyennement, je crois. Mon objectif étant personnellement de récupérer ça, notamment les villes. Ok. Est-ce que mes autres armées tournaient ou pas? Ouais. On a un peu de bouffe, en troupe, on les moyens. On pourrait se refaire un petit peu de troupes. On avait dû gérer un peu les villes, j'imagine, si on était là. Mettre un petit peu de blé. La construction 109, c'est bien. Prospérité 1,4, c'est pas terrible. On est en logement. Les villages sont pas mauvais, mais on passerait peut-être en irrigation du coup. C'est l'aqueduc. L'aqueduc est 3, grenier. On va mettre que ça se mette en construction après. Peut-être passer un peu en irrigation. Je crois qu'on va dégager de là. On a un petit peu d'influence, ça rentre bien, 16,44. On va prendre un poney. Au niveau de la ville, on a dit qu'on s'en foutait un petit peu de Varchek, j'ai pas l'intention de la garder. Par rapport du pognon, ça va, mais j'échangerai bien plus tard contre une autre ville un peu plus potable parce que c'est compliqué de faire monter leur chèque, c'est pas une très très bonne ville. Donc on n'investit pas de pognon dedans, là ça va être 3-4, ça ira. Priorité 65, c'est bon, sécurité impeccable. Au final, on avait quoi comme fief? On avait trois villes, Montmarounat et un château toujours. Ouais. Allons faire un petit tour à Marounat. Serait bien de compléter un peu plus de troupes. L'armée de Béricourt. Ah bah. Ouh là, j'ai du monde qui défile là. Ils sont chauds, mon ami. Ils ont pas l'air d'être en guerre, nos amis bataillons, parce qu'il y a du monde à recruter dans leur village. Et des troupes intéressantes. Alors ici, on a déjà foutu du pognon, ça se porte plutôt bien, 4,7 d'augmentation. Bon, la ville avait pris cher, mais ça va remonter. Je vois qu'il y a toujours les magnifiques yeux rouges de l'Empire. Apparemment, donc il n'y a pas eu de patch récemment. Hein.
Un petit peu de variété de bouffe, ça serait pas mal. Il y a quoi? Il y a des céréales. On prend un petit peu. Peu de raisin. Voilà. Du beurre. Le poisson, on en a. Les olives, c'est quand même un peu cher. Pas grand-chose. On est à plus 4, hein, c'est pas terrible du tout, plus 4 en variété. À 264, il nous reste encore quand même quelques niveaux à faire. Hein. Le but c'est d'arriver à 275. Bon, d'ailleurs, on a un point de focus à mettre, ça serait intéressant de le mettre quand même. Je pousserais bien en poney, tiens, à faire ça. On va peut-être aller dans les fiefs hollandiens, recruter plus de troupes chez eux. Ici, c'est pas très intéressant. J'ai quoi alors en répartition de troupes? 102 pieds d'infanterie, 96 archers, 36. Alors, on va chercher quelques archers montés. Chez les Azeris, c'est à côté. On se fait le petit tournoi d'Engdadis et on va chercher un peu de cavalerie chez les Azeris. Ah, il y a 4 nobles, donc récompense améliorée. Scalpel, on l'a déjà looté. C'est pas non plus exceptionnel. Alors par contre, configuration, on peut pas tomber pire, hein, quasiment. Ouais. Ah si si, on peut tomber pire en étant à l'arc. Quand on n'a pas de compétence à l'arc. Tout est possible. C'est bien les gars, vous avez bien taffé, déjà ça c'est pas mal. Il y a nos amis archers qui vont nous casser les pieds. Ouais, je suis tout seul. Il y a un archer. Ah non, il est avec nous, c'est moi. Voilà, ça c'est fait. Et tu vas me mettre à l'arc à chaque fois, quoi? J'ai rien en skill à l'arc quasiment. Bastard. Putain, ça me le fait systématiquement ça. Systématiquement. Allez, un de moins. Contre. Oh putain, bordel de merde! Ah. Bon, si c'est mon compagnon qui gagne, on aura le loot, mais bon, c'était pas l'idée. Et il a gagné. Donc on a récupéré l'épée. On va vendre. On va aller donc déterrer sur le territoire hollandien, ça va faire plus de troupes. Et puis acheter un peu plus de diversité de bouffe, ça serait cool. 63 pillards, bébé.
Non, ce que je dis, c'est que je voulais aller chez Zazerail. Je vais prendre de la cavalerie, non, c'était ça que j'avais dit que je voulais faire. Plutôt. Comme ça, on achètera des dattes en même temps, vu que c'est là où c'est le moins cher. Les ateliers, ça dit quoi? Ça dit. C'est moyen bien. Moyen bien. Ouais. C'est moyen. Tout ça. On gagne pas énormément de pognon. Après, j'ai quand même 4 armées qui tournent. La mienne, plus 3 de compagnons. Donc ça coûte cher, sans compter les garnisons des villes, qui rapportent correctement, mais c'est pas non plus la folie. Salut Alexandre, comment vas-tu? Un compagnon qui se fait de l'ingénierie, formidable. Donc là, l'idée, c'est d'aller recruter dans les villages près des châteaux, notamment. C'est là qu'on va trouver plus de cavalerie, on va dire, surtout les cavaleries nobles. On va se prendre un peu de Pharis et on va se prendre des archers montés. Mais on va les prendre tier 4. Enfin, si on en trouve. Il y a pas mal de châteaux dans le coin, on verra. Je vais jamais à ce village-là vu qu'il est à l'écart. Ouais, tiens, pour une fois. C'est vrai que c'est le village où je ne vais jamais, jamais. Non, je continue par là, mais par ici, jamais. Et j'ai raison de ne pas y aller parce qu'il n'y a que de la mer. En tout cas, ça pexe, hein, les gars, ils pexent. Ça bataille, apparemment. Je vais pas trouver un seul poney intéressant. Scandale ça. Non, que du tier 2, machin. On va aller faire un petit tour par là. Ouais. On va aller à Scar acheter de la bouffe. Peu les dates elles sont chères les dates hein. Pas terrible les prix là. Le château là, ici. Un tier 4 enfin. Pourquoi je veux à tout prix du tier 4? Parce que comme ça j'ai pas besoin de payer de chevaux de guerre, tout simplement. C'est l'avantage des cavaliers Azerai, quand on peut les avoir tier 4, et que s'ils sont tier 4, bah il n'y a pas besoin de leur donner de chevaux de guerre. C'est plus économique. Parce que là, pour les passer tier 4, il faut un chevaux de guerre. Cheval d'ailleurs. Bon, mais le recrutement est très moyen là, dis donc. Je vais pas traverser tout le territoire Azeroth pour choper deux poneys. À moins que j'enquille sur le
territoire Cusette et je récupère des cavaliers nobles là-haut. Des archimontés nobles. Dans tous les cas, ça fait le taf. C'est une possibilité. D'ailleurs, j'y suis presque de toute façon. Ils ont pris le château d'Ave. C'est bien, les gars. C'est bien, c'est bien. Je laisse taffer un petit peu. Ah, bah voilà, ça, c'est bien. Je laisse travailler un petit peu. Pas tout le temps être partout. Et puis, il me faut un peu les sturgiens. Tant qu'ils vont pas taper ma ville, Réville, Samira. Ouais, je m'en moque. Ah, du coup, on se fera des archers montés plutôt chez l'épuisette, a priori. Berrican, mais bien sûr, Berrican, si tu veux, je te le donne, le château. Pas de soucis. Alors, de 3 prisonniers, 0, bon, c'est bon. Ils ont l'air de gérer un petit peu, les petits bonhommes. Ah, on pourrait trouver des dattes pas chères ici, normalement. Village de production juste à côté. Les tarifs devraient être pas mal. Le 20. On s'en prend un bon stock. Tier 4. Allez, Valenza. Ouais. Un petit là. On essaye ici. Non. Ici, c'est à peu près stable hein, dans le coin. Ils ont pas l'air de trop se friter. Ça a pas trop bougé au niveau des Azerai. Pour une fois, les Azerai et les Empires du Sud n'ont pas l'air de se trop se taper dessus. Ah, là, il y en a deux, ça c'est cool. Alors, potentiellement. Oh non, ça c'est le vilain, donc ça m'intéresse pas. Allez, on passe chez les Cusettes. Notamment. Non, ça c'est les fiefs empire, ça m'intéresse pas. Ça c'est lié au château, ça m'intéresse. Ah, du coup, on va les taper du Sturgeon en passant vers Tial. Hein. Ah, du tier 4, magnifique. Marché monté noble, c'est très bon. Cher, mais bon. Alors ici, on va pouvoir trouver du fromage, notamment pas trop cher. Du beurre et fromage pas trop cher. C'est un peu relatif, là. Ah, ils avaient été en guerre parce que là, ça recrutait dans le coin. Là, ici, ça m'intéresse pas. Là.
va prendre le tier 3. On passe par celui-là, on finit les petits patelins par ici, et puis bon, c'est tout. Mais on a fait deux, on a fait des Azeras et des Cusettes, et on n'a pas réussi à se mettre full en troupe. Celui-là, puis après on va remonter vers Tilleul, c'est tout. Donc on savait pas, c'est pas grave. On va essayer de trouver un petit groupe sympa de surgir à taper. En train d'essayer de reprendre. Le chevenet avec 35 gages, j'ai jamais l'attrapé. Ah, quoi qu'il a pas l'air très rapide, hein. Et ben dis donc. Bon, il n'y a rien de spécial à faire avec lui, je vais pas me faire chier à taper un 35. Alors, on va aller voir en ville s'il y a quelqu'un. Pas de chef. On va tenter à Ville d'Ur. Lui, c'est un chef. Ouais, viens là, bonhomme. Faut qu'on cause. On va pas le cacher comme ça. Ah, je l'ai rattrapé avant qu'il aille en ville. Alors, j'aimerais discuter. Ton patron, il veut pas ta loyauté. Il veut bien discuter. Je suis à moins 15 en relation, donc c'est pas exceptionnel pour faire une vassalisation. D'ailleurs, j'ai pas spécialement envie de vassaliser, c'est juste pour le fun. Bon, ça rate, mais il n'y a pas d'échec critique. Tu 100%. Et la double persuasion 100%. Ah, j'ai pas la compétence encore qui me fait que j'ai besoin que de 3 pour faire une persuasion. Ah, ça, c'est ballot. Oh, ça passe. Juste par curiosité, on va regarder un peu combien il nous demanderait. Mais pour le moment, je ne vais pas vassaliser parce que si je commence à vassaliser, je pourrais pas tenter de récupérer des villes parce qu'il faudra, bah, tout au niveau vassaux, il faudra leur fournir des fiefs. Donc ça m'intéresse pas pendant de vassaliser tant que j'ai pas récupéré des villes qui m'intéressent. Parce que j'ai que de. J'ai pas beaucoup de villes, j'ai un château, j'ai une butte de merde à me débarrasser, donc ça m'intéresse pas plus que ça pour le moment. Il manque pas grand chose, 124, il manque que dalle. Mais non. C'est juste pour rigoler. On va regarder en ville. Peut-être à ta gosse, peut-être. Ouais. Lui par contre j'ai de bonnes relations, je suis un 24 avec lui. Lui aussi il veut bien discuter. Oh, double persuasion à 100%. Tout de suite, quand vous avez une bonne relation, ça change tout hein, pour les discussions. Un petit 100% qui suit derrière. Une 87 en 2. Ouais, ça passe. Et il me demanderait combien? Et les mecs, ils ont envie de partir. Il me demanderait 1943 pour me rejoindre. Mais non, 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 ça m'intéresse pas.
Je ne recrute pas tout de suite. Bah, c'est un clan correct, hein. On tire 4, des adultes, des gamins, ce serait pas une mauvaise recrue, pas du tout même. Surtout à ce prix-là. Voilà, vous voyez, j'aurais déjà pu faire vassaliser deux clans si je voulais. Sans aucun problème. Pour une misère. Bon, lui, on va l'éviter parce que 439 quand même. Pas de chef. Donc, autant de guerre, voilà. Salut, Chirichia. Autant de guerre, bah voilà, vous faites. Si vous êtes trois et que vous les recrutez, vous allez voir dans les villages, dans les villes, dans les châteaux, vous voyez s'il y a un chef de clan. Puis s'il y en a un, bah, vous tapez et discutez avec lui comme ça, quoi. Tranquille. Tovir, c'est pas un chef, lui. Bah, c'est bon, amusant, on cause. C'est juste pour s'amuser, pour faire des persuasions. On recrute pas. Et aussi, il veut discuter. Ben, sinon, ils sont pas contents, les sturgiens. Mais ouais, j'ai 36 de relations avec lui, hein, donc. Hop, 100%, ça passe. Lui, il a un château, voyez. Par contre, son clan, ils sont plus que 3 adultes, il n'y a pas un enfant. Tier 3, c'est pas un super clan. 10, 100%. Allez, tu es quatrième clan, troisième clan là, que j'aurais pu vassaliser. Il me demanderait combien? Ah, il me demande cher, bon, il a un château en même temps. Mais il viendrait avec son château. Comme on entend de guerre, il viendrait avec son clan et son château. Son château de Takor, gratos. Ça, c'est le patron, Ragambad. Alors lui, on va lui casser les dents. Si on l'attrape. Parce qu'il me va vite. Alors, on va gagner en forêt. En forêt, on va l'attraper. Donc avec lui, il n'y a rien à faire. Hein, c'est le patron. On ne peut pas vassaliser le clan du patron. Donc on va taper dessus. Allez, on va la faire quand même. 85 gaffes. Je sais pas où ils sont, je pense pas forcément trop loin. On verra. Bon, vous voyez, ils sont assez loin quand même. Une jolie map ça. On va se mettre là. Alors ça tire, hein. Je sais pas trop sur quoi, mais ça tire. Par contre, ce serait bien que vous fassiez des belles lignes. Hop là, bien alignées, merci. Bon là, ils sont dans le creux de toute façon. On va pas toucher grand-chose, les gars. Tire sur les cavaliers ou ils tirent à travers le sol, comme ils font depuis 1,72.
Allez, tirez-moi un peu cette ligne là parce que les derniers rangs ça tire pas. Hein, donc, voilà, c'est. Ils touchent que dalle, ils sont en train d'user toutes leurs munitions sur rien du tout, c'est cool. Ils ont l'air de venir. Bon les gars, on va pas y passer 3 heures en demandant ils sont cachés là, leur truc. Oh oui, c'est bon. Ils arrivent. Ça, quand t'as pas de bouclier, faut pas être devant les gars, hein. C'est pas une bonne idée. Hein. Tout ça pour ça. Salut Daniel, comment va? Bien, 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 écoute, on se fait un petit passage là sur du Bannerlord. On s'amuse à faire des fausses vassalisations, juste pour le fun. Alors, on va juste garder le patron avec nous. On va le reste. Puis, quand on se fait la petite arène, allez, on se fait l'arène. C'est pas mal ça comme configuration. Après, il n'y a pas de récompense intéressante, mais bon. En configuration, c'est sympa. Donc, ça, c'est l'un de mes compagnons. Allez, on va fighter. Allez, si ça jouait tous les deux. Ça. Ouais, d'accord. Le but c'est d'aller taper l'archer. Je tente, mais essaye d'en tuer un quand même. Fais quelque chose hein, avant qu'il pète mon bouclier. Hein. Ça va, tu vas en tuer un hein? Ils sont en train de péter mon bouclier. Oh putain, incapable toi!
Ah, t'es mauvais, hein, l'archer, hein? On va crever à cause de tes conneries. Pas capable d'en tuer un, là. Ah putain, le mauvais, quoi. J'ai tanké pendant 5 minutes, le mec, il a pas été capable d'en tuer un, quoi. Oh, je te jure. T'es pas aidé, hein. Ah, nouveau bébé. C'est quoi comme bébé? Encore une fille, c'est ça? Là, tu fais que des filles, quoi. Fais que des filles. Ok. Bon, c'est pas comme si on changeait grand-chose, mais que des filles. On va continuer à voir si on peut trouver un autre groupe à taper. Il est en train de se faire mort. Oh, à la limite, je me ferai le 291. Allez, on se fait le 291. Oh, il est plus fort. Oh, c'est un chef. Mais on peut rien faire, il est en armée, donc il ne veut pas discuter, forcément. Mais ça va faire une belle bataille. D'accord, c'est un truc. On se massacre. Il y a juste le petit rocher qui va gêner pour s'entretuer, c'est tout. Allez, avancez un petit peu. Très belle map, sauf qu'il y a le rocher au milieu. Ouais, tuez-en un maximum pour les obliger à venir. Ici, ils seront bien pour tirer d'ici. Ce qui serait bien, c'est que je me fasse pas démonter en attendant. Par contre, j'aimerais bien que vous fassiez des lignes propres. Hein. Voilà, c'est dégueulasse là, ce que vous faites. Hein. L'herbeutrier à bout portant. Formalité, hein.
Il six morts quand même. Hein. Bon, après, on a tombé, ils ont tombé 25, ils ont 6 morts, on a tombé 289. 65 d'influence et 30,6 de renom. C'est plutôt pas mal. Plutôt rentable. Beaucoup plus qu'une grosse bataille, en tout cas. Enfin, c'est celui qu'on aurait pu vassaliser tout à l'heure. Lui, on va le prendre prisonnier pour le fun. Parce que comme ça, on va discuter avec lui. Juste pour ça. Donc, il veut bien discuter. Oh, échec critique sera à 87% sur les doubles persuasions. C'est abusé, ça, par contre. Ça, c'est vraiment abusé. On le libère. On va pas le garder, on s'en fout. Ah ouais, 80. Joli échec critique. Hein. Tu vas où toi? Tu veux te faire le château de Takor avec 517 gars? Pourquoi j'y crois pas? Toi, je sens que tu vas te faire casser les dents. Oh bah ça, hey, ça ils sont chauds, hein, ça ils attaquent partout. J'ai même pas besoin de. Voilà. Ils sont en train d'assiéger la moitié du. Des fiefs sur genre, je sais pas s'ils arriveront à gagner beaucoup. Tiens, là, c'est ça attend là. Ah, ils sont 440, hein. Par contre, c'est embêtant, ils sont trop. Et eux, ils vont se faire démonter. Puis ils vont taper la ville. Ils vont perdre plein de gars. Les autres vont les finir. Et là, il y aurait moyen que ça fasse la même si jamais une autre armée les attendait. On va voir s'ils arrivent à temps. Moi, je vais attendre à côté. S'ils arrivent, je me fais le groupe. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Ils ont pas attendu longtemps, ils se sentaient forts apparemment. Eh ben vous savez quoi? Je vais y aller. Oh, ça se sauve en partie! Oh, ben les gars. Ils ont osé attaquer alors qu'ils étaient si peu nombreux que ça? C'est bizarre. C'est bizarre. Alors l'avantage là de rejoindre la bataille, c'est parce que je suis roi que là, je la rejoins. Et comme ça, c'est moi qui commande tout le monde. Parce qu'autrement, si vous n'êtes pas roi, pff, chacun fait ce qu'il veut, commandez juste votre petit groupe à vous et c'est le bordel. Que là, je vais commander toutes les troupes qui sont sur le terrain. Et on va avancer. Trahison, quoi, ils vont. Ah, quoi qu'ils avancent. Ah, bah, s'ils avancent, c'est très très bien. Laissons-les avancer. On va décaler un peu la cavalerie par là, par exemple. Putain, ils sont chauds, les petits sturgiens. Pressés de mourir. Quand ils foncent tout seul, c'est un chef, ça, obligé. Bon, comme ça, ah, même pas. Un briseur de ligne. Ah non, fallait pas bouger, là. C'était bon. Découpez-moi les petits archers sturgiens, parce qu'il faut pas pousser non plus. Hein. C'est de la merde, les sturgiens.
Enfin, c'est de la merde, mais il tape dessus, dis donc. Il y a de la cavalerie là-haut. Ah, ils ont pas mal de cavalerie quand même. Moi aussi, mais. C'est quoi ces effets bizarres, de mouvements bizarres qu'il y a depuis sur ce patch? On va attendre les renforts et on se remet correctement. On attend la suite. On se repositionne. S'ils viennent, c'est pas sûr. Peut-être qu'ils vont. Oh, ils fuient. Ils fuient. Ils fuient. Les vilains. Ah, les cavaliers. 319, tu sympa. Comment ça, tu veux pas mourir, toi? Combat à cavalier, ça dure 3 plombes, ils sont 10 sur un pauvre gars quoi. Ils arrivent pas à le tuer. Regarde-moi ça toi. Regarde-moi ça. C'est ridicule. Il y a des effets de mouvement maintenant sur certains trucs, je vois pas trop l'intérêt, c'est nul. Ah, le cavalier là qui est passé, il y avait comme un effet de mouvement autour. Pas trop d'intérêt. Bon, lui paraît tout à l'heure, moi. On le vassaliser. Fafen, on n'a pas fait Fafen, bah, on va prendre Fafen pour rigoler. Plus je suis déjà 52 et que donc j'ai pas besoin de relâcher. Yorick on n'a pas fait non plus. On a de bonnes relations. On va s'amuser. On prend que le meilleur. Quelques chevaux. Du coup, ils peuvent en continuer le siège, ils sont assez. Alors, point repérage 175. Ouais, ça, c'est magnifique. C'est avec ça qu'on récupère un petit pur sang, hein, notamment.
Évidemment qu'on veut ça, nous. Celui qui chuchotait à l'oreille des bêtes en vous déplaçant dans les steppes ou les plaines, vous avez 5% de chance par jour de trouver une monture. Dont des montures un peu spéciales, comme le pur sang ou les autres chevaux un peu plus évolués. Allez, monsieur Fafen, discutons. Il est content, il ne veut pas discuter. Malgré qu'on ait très très bonne relation avec la 52, il ne veut pas discuter. Allez, je te libère. Yorick. Il est content aussi, Yorick. Ah bon, on est tombé sur deux qui sont contents. De tous les autres, ils voulaient discuter. Et là, on est pile poil tombé. Ils se sont fait botter le cul, mais ils sont contents quand même. Allez. Ben voilà, comme ça on aura sauvé les fesses de cette armée. Temporairement, on va le dire. Alors, les mecs, vous êtes en pleine guerre avec les Sturgiens. Vous êtes tout le monde est là. Et vous voulez déclarer vous dire, moi je veux bien, ça m'arrange, hein, j'ai envie de. Moi je veux taper du Batania. Mais c'est débile. C'est débile. Finissez d'abord là vos sièges. Et du coup, bah voilà, il laisse tomber les sièges. Il a 1400 gars, il n'a pas tombé la ville, quoi. Eh putain. Mais t'en faut combien? 2000 pour tomber une pauvre petite ville? Un petit peu triste, hein? Est-ce qu'il y a d'autres gars intéressants du coup à appeler? Ah, bah non, ils ont mobilisé tout le monde pour faire n'importe quoi comme ça. Laissez-moi 5 minutes, je vais retourner vers mes fiefs. Bon, bah, il va mettre la guerre. Ah, tiens, il y a un paquet qui est contre. Étonnant. Y aurait-il des gens sensés chez les Blandiens? Putain, comment ils sont faibles. Oh, mais ça va être 150. Là, si on était en guerre, je m'en perds de toute la notion bretonnienne. Hein, avec ça. Mais bon, ils veulent pas faire la guerre, on fait pas la guerre. Pas de pressé. Hein. On ne court pas. Ah, il leur reste trois villes, trois châteaux. Et ils ont que 1700 en puissance avec ça. Bon, bah on va retourner du côté des Sturgiens. Moi, j'ai fait une armée un peu pour rien, du coup. On se fait aux morts, histoire d'eux. Avec 502 gars pour rigoler. Ça peut être dangereux. Puis il faut pas forcément une grosse armée là pour nous attaquer. Eh bah t'as eu les. Ils sont partis dans une crise, je déclare la guerre à toute la planète. Puis le pire occidental, tant qu'à faire, c'est vrai que c'est les plus faibles. Par contre, là, ils ne voulaient pas contre les Batalliens qui étaient faibles, et par contre, ils veulent taper Garios qui est déjà un peu plus costaud. Ah, les débiles! Mais c'est pas grave, allez faire vos guerres. Et après, ils vont me dire, oh, on a trop d'ennemis, il faut faire la paix.
Salut monsieur l'air de rien. Eh ben écoute, ça va bien et toi? Toujours en vacances, hein? Tu profites bien? Alors du coup, elle va faire quoi elle? Elle va... Enfin, ils ont attaqué 50 000 fiefs sturgiens, ils n'ont pas tombé. C'est formidable. Plus de Bannerlord, mon Dieu. Et ça va aller? T'as pas un disque dur de secours pour te faire une petite injection de Bannerlord? On va pouvoir tout ressortir. Quasiment, ils ont déjà tout cassé, disons. Pour les brutes. Allez, on a nos tours qui sont construites. Bah écoute, on va y aller comme ça. Hein. S'il n'y a pas d'autre défense, hein, ça va être rapide. Hein. Qui c'est qui a fait les points? Oh, 125 ingénierie, ça c'est bien. Augmente la précision des mangonneaux et trébuchets sur la carte de campagne de 10%. Ça, c'est sympa. Augmente la précision des balises. Regarde, on s'en fout des balises, on n'utilise jamais des balistes. Quasiment. Donc, on va prendre évidemment les mangonneaux et les trébuchets. Évidemment. Et puis, bah, on va y aller comme ça. Hein. Hop. Ah ça par contre oui c'est moins rigolo que ton boulot ça a disparu. Ouais ça c'est plus embêtant. T'as perdu tout ton mode du coup? Est-ce qu'on joue un peu qu'un onagre? Est-ce qu'il y a quelque chose de sympa à l'onagre ici? On peut essayer. Pousse-toi, toi, pousse-toi aussi, mais poussez-vous. Heureusement. Ils visaient sur quoi là? Ils visaient le truc là-haut. Ouais. Vous voulez pas viser un autre truc là-haut, les murailles? L'air d'avoir des archers là-haut. Là, c'est vraiment histoire de. Ah, c'est pas inintéressant, on a pété du créneau du coup. Et si on reste sur le même angle, eh ben, on va péter de l'archer. Avec un peu de chance. Alors les intendants, c'est les commerçants que tu peux trouver, principalement. Même si maintenant il y a y a un nouveau compagnon qui est à la fois arbalétrier et intendant. Mais autrement, c'est les commerçants, les marchands d'épices, les trucs comme ça.
Mais ouais, c'est pas ce que tu as trouvé plus facilement. Bon, du coup, on a pété ça, il n'y a plus personne maintenant. On fait, on va tirer juste en face là, comme ça, là, sur la qui est en bois là. On pète les créneaux, c'est pas grave ça. On va éviter de tirer sur la tour. Alors du coup, c'est moins loin par contre. C'est un petit peu. Boum! On va casser le truc en bois. Mais si. Faire gaffe avec la dispersion qu'il n'y en a pas un qui atterrit sur le toit quand même. Ah, il y a du monde qui arrive, mais on n'a touché personne. Dommage. Ah, dépêche-toi de charger, il y a plein de monde là-haut. Oh, oh, il est belle celle-là. Avec le gros tas qui est en train de s'accumuler là-haut. Allez, celle-là aussi, elle va être bien celle-là. Non, bah non, elle passe au-dessus. Zut. Ah, dispersion, putain. C'est dommage, parce que là, il y a un paquet de monde encore qui attend. Là, je viens par taper sur mes gars, par contre. Là, ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Il ah, y a méga. Frappe, si je touche méga, c'est pas dramatique, ça va juste les assommer, mais bon. Dommage, j'en ai eu un beaucoup, et les autres. Ouais, les autres, pas de top. Bon, ils sont passés, je vais arrêter de tirer, parce que là, ce coup-ci, ça va strike. Ah, par contre, ils ont tapé sur mon poney, il est plus là. Ah, ça, c'est chiant, ça. Et là, c'est loin, hein. Tant que j'arrive, ils ont fini. Mais ouais, tes intendants, c'est vraiment le truc le plus dur à trouver, je dirais. Ça, ouais, puis, ouais, sont les vrais commerçants, quoi. Autant les mecs qui font du repérage, c'est t'en as masse, des médecins t'en trouves facilement, des ingénieurs ça va encore. Ouais, c'est fini. Ouais, j'aurais tombé 22 quand même. Ça devrait faire quelques points d'ingénierie. Ah monsieur, voilà, t'es exigeant toi, dis donc. Déjà d'en trouver un, ça va être déjà compliqué. Si en plus tu veux qu'il soit à zéraille. Ça va être très très chaud. Après, t'en montes un, hein. Ça monte plutôt bien, tendance. Donc tu prends un gars et puis tu lui fais monter un tendance. C'est pas très grave, ça peut. Hein. Parce que par exemple, avec les. Quand tu mets un mec en gouverneur, il monte vachement bien en tendance. Donc si tu mets. Tu peux lui faire gagner, tu monteras jamais autant que si c'était toi ou si t'as fait déjà des stats en intendance. Mais si tu prends par exemple un ingénieur ou un médecin, comme je disais, l'air de rien, au moins il aura des points d'attributs qui sont mis. Il aura des points d'attributs qui seront mis dans l'intelligence. Et comme c'est l'intelligence qu'il faut monter pour monter en tendance, il aura déjà des bons multiplicateurs, donc il apprendra assez facilement l'intendance. C'est bon, c'est bientôt fini là. 4, il en reste 4, on va passer 3 points.
La zone, elle est super loin sur ce fief là, regarde ça, toi. C'est super loin le donjon. Il est tout là-haut, tu m'étonnes. Regarde, on les voit tout là-haut. Tant qu'il faut pour qu'il y ait un zone, ça c'est chiant ça par contre. Ils sont allés tout là-haut, les mecs. Hallucinant. Le donjon est méga méga loin. Du coup, 13 niveaux d'ingénieur, c'est pas mal. Ah bah oui, les marchands d'épices, ils sont très très bons. Et bon, faut encore avoir la chance d'en avoir sur la carte. Hein. Les marchands d'épices, et puis l'autre, je sais plus, moi c'est The Swift, mais je sais pas trop le nom en français. Mais c'était peut-être pas une hasard. J'ai dépassé, mais c'est pas très grave de dépasser. On vient de prendre une ville, donc on va vendre ça directement. On va piller. Hein. On va à la taverne. Comme je suis roi, on va tout de suite retirer toutes les troupes qu'ils ont mis dans le donjon. Enfin, toutes les troupes régulières. On va laisser. Ben on va laisser le petit patron à Gandalf, tiens. Et on va vendre tout le reste. 20 000 balles de prisonniers, un petit point de roublardise. C'est plutôt pas mal. On va vendre des bricoles qu'on a loot. Ouais, donc pour en revenir à ça. Si tu regardes par exemple. Et donc tu prends la réparatrice. La réparatrice, elle a 80 d'ingénierie, donc tu sais déjà qu'elle va avoir pas mal de points d'attribut en intelligence. Donc elle va pouvoir monter facilement. Facilement l'intendance. Ruelle venteuse d'épices, alors c'est sûr que l'idéal c'est ça. Ça c'est l'idéal. Elle déjà elle a 102 d'intendance, mais bon, faut encore qu'il y en ait une. Là vient juste d'apparaître parce que j'avais regardé depuis le début de la partie et il n'y en avait pas. Azerai, intendance et commerce. Après, ça reste une histoire de chance. Comment tu fais pour les recherches? Eh bien, tu appuies sur N, la touche N, et puis ben, après, tu paramètres, tu arrives, tu as différentes possibilités. Donc, par exemple, là c'est un héros qu'on veut. Tu choisis, ben, tant qu'à faire, un vivant. Après, tu choisis vagabond. Et tu acceptes, t'as accès à tous les compagnons qui sont dispo. Donc ceux-là, je les ai déjà recrutés, tu vois, ils sont partis de mon clan, donc on peut les détaguer. Et autrement, bah, s'il y en a qui t'intéressent, hop, tu les tags, tu mets la petite croix, puis comme ça, tu peux les retrouver plus facilement, ils seront en haut de haut de ta liste. Et en fonction des noms, au bout d'un moment, bon, tu reconnais un petit peu, tu sais à peu près ce qu'ils font, quoi. Bon, ils ont des noms un peu particuliers, des fois ça dit un peu leur fonction. Le sage, tu peux te dire tout de suite qu'il y a... Il va falloir soit être médecin, soit être ingénieur, tu vois, des trucs comme ça. Réparatrice, bon, tu te doutes que ça rentre et un ingénieur. T'as les noms, certains noms te disent quand même un peu la fonction du truc. Donc ça t'aide un petit peu quand tu connais pas trop. Écorce de saule, c'est des médecins aussi, ça. L'aspirine, écorce de saule. Bref, ok, ça c'est fait. On fait l'arène. Allez, on fait l'arène. Il y a quelques nobles en plus. Âge de roturier. Ah non. On n'a que ça. Il n'y a que deux nobles. On a dit donc. Ils font quoi les autres?
T'as fini, toi, là? Je suis pas fan fan, moi, d'être à cheval. C'est vachement bien, oui. C'est pas souvent que tu trouves un tendance si bon que ça. Hein. Bon, ça va me saouler. C'était un petit passage à pied. Bah, à cheval, pardon. On va pas y passer 3 heures. Hein. Ça, à cheval contre un piéton, c'est souvent pas top. Encore? Oh putain, vous avez me chier longtemps comme ça. Allez, démontez là le cavalier. Non, c'est à pied avec des lanceurs de javelot. Ah, mais j'ai des haches, moi. T'as pas assuré, toi. Oh non, bah non, bah non, pas la lance. Putain, pas la lance. Laisse tomber, bah là, c'est mort. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec une lance, putain? Bouclier lance, le pire truc. Mais j'arriverai jamais à rien. Oh bah non. Je suis trop nul, moi, de la bouclier lance. C'était même pas la peine. Zéro chance. Bon, on va attendre le vote. Bouclier lance, c'est une horreur, bouclier lance. Elle a combien? 4618? Ouais. Le pire. Alors, Lucas la vagabonde, donc ça, c'est. C'est quoi elle déjà? C'est notre capitaine de cavalerie, il me semble. Non, c'est un chef d'armée. Je sais plus. Comment gagner la houblardise? Je sais plus du tout c'est en fait. Ah oh bah, étonnant. Étonnant. Et du coup, je sais plus à quoi je m'en sers. C'est pas un chef d'armée, ça. Ah si, si, c'est un chef d'armée. Bah si, tactique, machin, comment on suit. Donc faut lui monter son intendance. Ouais, ça doit être pété quand même cette histoire. Tu vas te marier avec un compagnon. C'est pas un compagnon alors, dans ce cas-là. Tu peux pas te marier avec des compagnons. Chercher une petite femme pour la mettre en intendante dans ton armée, du coup, c'est pas un compagnon que tu cherches.
Ah oui, si tu, dans ce cas-là, tu peux pas rechercher des vendeurs d'épices, des trucs comme ça. Dans ce cas-là, c'est si tu cherches une femme noble avec des bonnes caractéristiques. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Ah, d'accord, voilà, je comprends. Parce que tu peux pas te marier avec un compagnon. Bah écoute, c'est moi qui décide. Bah si c'est moi qui décide. Toi, t'as des châteaux, t'as une ville. Toi, t'as que des châteaux. Bon, on va te donner une petite ville. Ah oui, non, pas le même prix. Bon, après, il peut y avoir des. Quoi que ça dépend, parce que. Il y en a, si t'as de bonnes relations, il y en a, ils ont juste du skill en intendance, donc ça vaut pas très cher non plus. Hein. Bon, bah après, il se démerdera pour mettre des trous pas. Bon, bah écoutez, c'est un petit château. C'était pas trop ce que je voulais faire, mais bon. Je vais avoir les jouer plutôt par ici, parce que j'aimerais pas qu'ils décident d'attaquer Marounat. Ah, c'est chez moi, ça, Marounat. Ils ont potentiellement piqué un peu plus que tous les autres. Il ouais, y a une armée qui s'est pétée. On va récupérer les trucs intéressants. Et puis on va aller taper de l'Empire pour varier le plaisir. Oui, bah, dans tous les cas, de toute façon. C'est pas très très difficile. Le truc le plus simple, c'est de monter déjà tes relations avec le clan. Hein. De même, si t'as de bonnes relations avec le clan, ça coûtera rien. Tu fais une paire de quêtes pour le chef de clan et c'est réglé. Bon, il doit y avoir une bonne grosse armée de l'Empire qui traîne quelque part, qu'on puisse jouer un peu avec. Qu'est-ce qu'il y a dans le donjon? Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le donjon? Du monde dans le donjon, en tout cas. Marounat, ça va pas tomber tout de suite. Alors, les poneys, vous allez venir avec moi. Les T5, T1, bel étrier. Tous ces petits T5 là. Ça a rien, vous avez coûté très cher là-dedans. Pas mal d'infanterie, bouclier, ça j'aime bien. Ouais, bah ça va être pas mal comme ça. Par contre, racheter un petit peu de bouffe, ça serait une bonne idée, je pense. Voilà. On se remet un peu de cohésion. Tiens, toi, tu vas te faire des troupes. Bah ouais. Et donc, t'as quand même accès à ta partie, mais plus à ton mode. C'est ça l'histoire. C'est bizarre, non? Parce que la partie, elle n'est pas sauvegardée sur le cloud, si. C'est pas sauvegardé sur le cloud, c'est surtout sur un local la partie, non? T'as quand même la, t'as quand même une sauvegarde de ton disque dur est mort, mais t'as quand même une sauvegarde de la partie. C'est un local, non? Les sauvegardes. Donc c'était sur ton disque dur.
Bon, ils sont nulle part pour le moment. Qu'est-ce qu'on fait? On va taper la guitare histoire de les attirer un peu. Avec 1244, on peut s'amuser un peu, mais j'aimerais bien qu'il me ramène une armée là. Pour jouer un peu, il faut qu'on soit deux. Ah, d'accord. Ah, c'est ballot. Du coup, tu vas recommencer encore une partie. Allez, vous êtes où? Ils sont où ces petits gars de l'Empire? Venez défendre votre ville. Ah bah voilà, oh, puis il a une bonne grosse armée le Garios là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui traîne dans le coin? Bon. Eh bah, on va s'amuser un peu. Ça va piquer un peu. Ah, surtout j'ai 96 en plus, ça risque de faire un peu beaucoup. Ah, ça peut peut-être être équilibré, on va voir. Ça passe, ça casse. Ah, 96 en plus, fait chier. Bon, ils sont voilà, ils sont plus nombreux, ils sont techniquement un peu plus forts. Hein. Ils sont quand même juste quasiment presque 400 de plus. Hein. Ça peut-être faire un peu trop. On verra. Oh, il a une jolie tête, lui, dis donc. Avec les dents apparentes et tout, ça me rappelle quelque chose, ça. À une époque, c'était clair, on avait des têtes très très bizarres comme dans ce genre-là. D'accord, puis c'est map carnage, hein, tant qu'à faire. Ça serait con de pouvoir stratégiquement bien faire les choses, quoi, positionner comme on veut, là, non, c'est. Direct, on se fout sur la tronche. Est-ce qu'on peut reculer un peu? Voilà, balancer ça derrière. Deux, vous allez vous mettre là. Étalez-vous. Est-ce que là, vous êtes. Je peux pas descendre plus. On va voir un peu là. Ouais, je sais pas. Je sais pas s'ils sont à portée. Je sais, c'est que là. Ça, vous allez bouger là-haut. Et vous, vous êtes sur 4 lignes, ça me semble un peu beaucoup. On va voir si ça touche. On va voir déjà s'il garde la position. Ça, c'est un autre problème encore. On va vouloir garder la position pour une fois. Qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent. Ils en veulent. Le petit ménavion qui fonce tout seul là. Tranquillou. Ah, les arbalétriers, hein. Il y a du boulot. Hein. Là, il y a un bon surnombre, il y a du monde à taper. Hein.
Ah, ils ont plus de cavalerie que moi. C'est la cavalerie qui va être encore un problème, qui va piquer. Ah non, vous revenez, vous revenez, vous revenez. On se repositionne gentiment. Voilà, là c'est la phase critique. Je me fous de la cavalerie en vert. J'ai quasiment pas d'archer monté pour gérer ça. Positionne, du coup ça sert à rien de vous disperser, faites front. Alors, le problème c'est que la moitié là ils sont à sec de munitions forcément. Est-ce qu'il y en a qui peuvent tirer encore un peu ou pas? Non, non, bah écoutez, chargez si. Pourquoi vous attaquez trois cavaliers? Vous pouvez pas tout simplement attaquer toute l'armée qui est en face? Parce que là, on va perdre avec vos conneries. Hein. On est en train de perdre. Tordant d'attaquer, ils vont à 50 pour suivre un cavalier. Alors qu'il y a tout un tas de d'archers et d'infanterie à taper. Donc on va faire comme d'habitude, il va y en avoir une centaine de trop quoi. On a fait la différence largement, mais il va rester encore un peu trop probablement. C'est la cavalerie là qui pique. Je sais pas si l'écart va tenir, je sais pas. S'ils nous font un cercle, c'est fini. Ils sont incapables de tenir à une formation propre, c'est terrible. Bon, on a pris le dessus après, oui, c'est bon. On a suffisamment fait la différence avant que je tombe. Pour qu'il décide pas de faire de la merde. Joli petit massacre, hein. 979, 1572. Pas extrêmement tape cette affaire, mais bon, c'est une grosse bataille. 5 niveaux en poney, putain, on a pas fait grand chose pourtant. Et les grosses batailles, ça paye pas. 16,6 de renommée, 20 points d'influence. Par rapport à tout à l'heure, la petite bataille qu'on a fait où j'ai fait 30 et 60, c'est clairement pas intéressant. C'est jamais intéressant les grosses batailles. Même en étant en infériorité numérique et force comme on était, oui, ça paye pas. C'est dommage d'ailleurs, parce que c'était quand même une grosse bataille, on était quand même en déséquilibre, et finalement ça paye pas.
On va le faire prisonnier. Là. 231 prisonniers. Ouais. Il reste plus que 271 qui sont debout. Faut pas qu'il y ait une autre armée qui passe ou plein de petits groupes parce que ça va mal finir. Mais tant qu'on se soigne. Oh, vous voulez faire la paix avec les chirurgies. Quelle surprise. Ah bah oui, hein. L'Empire c'est pas le même morceau, hein, donc forcément, hein, ça pique un peu. Hein. Ouais, donc tomber vers Rennes, ouais, c'est pas mal. Tiens, on s'amuse à essayer les civilisations. Allez, team-up. Juste pour le fun. On a 8 de relations avec lui. Ouais, il est content, bon allez, on relâche. Ah non, ils sont rien eux. Ah bah non. C'est le clan de. Ah non, fallait le relâcher. Ironique, c'est peut-être quelqu'un, je sais plus. Non, c'est rien non plus. Et bah dégage. On va juste garder Igario, c'est histoire de faire chier. Ah, lui c'est un chef, pas Garios. Il dit rien du tout. Il dit rien du tout, pas Garios. Il est content, elle dégage. Ok pour respire. Alors je suis dans le vote, mais ça n'intéresse pas ces fiefs-là. Je pourrais forcer à utiliser mon influence pour prendre les... Mais ça n'intéresse pas. Moi, je veux les fiefs Batania. C'est au nom, machin, tout ça, pour à côté de Marounade qui est chez moi. Bon, je vais relâcher l'armée parce que là, elle a pris cher. Qu'ils retournent se faire des troupes, ça sert à rien de se balader avec. Et puis on va se quitter là. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Merci d'avoir assisté au stream. Merci à ceux qui regardent un peu plus tard. Et on se dit à bientôt pour poursuivre ces petites aventures landiennes. Allez, bonne soirée à vous, à bientôt, bye bye.